In both East and West, silk has always been a rare, luxurious material. Under the aegis of King Louis XIV, silk weaving flourished in France. In the 18th century, Lyon became the silk weaving capital of Europe. Fabulous silk brocades not only showed noble status, but also graced royal palaces. Much more complicated than plain weave, making brocade is like using silk threads to paint pictures. To weave dazzling brocades requires intricate skills that take years to master. A piece of brocade can only be made using high-quality silk, a good loom, and by employing skilled craftsmen. Silk manufacturers in France that have stood the test of time and maintain traditional techniques are now recognized with the EPV label, which stands for Living Heritage Company. Every year, a national commission is summoned to discuss and evaluate EPV applications. On va regarder vraiment tout ce qu'ils font, aussi bien dans le passé, dans le présent, et au cas où dans le devenir. Est-ce qu'ils font de la formation? Est-ce qu'ils ont des projets innovants? Est-ce qu'ils ont déposé des marques? Est-ce qu'ils les ont déposées depuis longtemps? Quelle est la reconnaissance de ces marques? Est-ce que tout le monde les connaît comme si c'était quelque chose de tout à fait commun? Ont-ils un savoir-faire à l'intérieur? Ont-ils les meilleurs ouvriers de France qui travaillent pour eux? Tout ça est mélangé pour nous en un seul terme, entreprise du patrimoine vivant. Et donc, à ce niveau-là, il y a réellement une justesse à savoir. Est-ce que leur savoir-faire est bon? Ont-ils les employés et ont-ils la capacité de transmettre? Dachenari El Châtel, located in the traditional silk weaving district of Lyon, is living testimony of French silk weaving excellence. Dachenari Châtel is one of the oldest silk weaver in France. It was founded in 1680 by Louis Pernon. Then he passed by the Grand family, and then he went into the Dachenari and Châtel families. It now belongs to Le Lièvre Group for 20 years. So Dachenari and Châtel has always been the supplier, one of the main suppliers for the royal courts, obviously of France, where Dachenari worked for the main castles as Versailles, Fontainebleau, Compiègne. From the beginning, the factory supplied furnishings for royal palaces, which included Marie Antoinette's bedchamber in the Palace of Versailles. These fabrics that once dignified her life now remind us of how times have changed. The Queen showed her love of nature through fabrics placed on her bed and hanging from the walls. Flamboyant patterns and colors contrast with mainstream styles from before her time. In the room of draw looms, everything depends on the hands of the workers. Such complicated weaving skills usually take 5 years to learn and a lot of further practice to really master.
In a modern textile factory, warp and weft seamlessly produce big pieces of cloth. Different colors of threads vividly show shadows and patterns. The factory's archives, a portal to the past, remind people of historical trends and techniques. Tassinarian Châtel is the finest silk weaver in France, so obviously it is specialized in fine thread and silk thread weaving, such as lampas, brocades, velvet, velours de Gênes, and also all kind of hand weaving we can do. It has a special know-how within the industry, and we are still able today to do some hand weaving for special clients. This is a know-how we've been keeping all over these years. It's a big challenge, and we want to keep this challenge and to show that we're still able to do the most exclusive fabrics all over the world. So it's not just a piece of fabrics, it's also a piece of history of France in the same time. Documents and samples of fabric have been carefully preserved. A design book belonging to the founder, Mr. Pegnon, has faithfully recorded all the designs produced between 1795 and 1825. Well, these archives for Tassinarié Châtel are very important because it's the part of our work today, because we work a lot also for museum, we work for private customers who would like to have probably some fabrics or very original fabrics. And the very important fund of archive we have here in Tassinarié Châtel helps us to answer at these kind of questions, because we have more than 100,000 documents and a lot of original documents, a lot of original documents from the end of the 18th and beginning of the 19th, because just after the French Revolution, Camille Pernon starts completely a new activity and a new manufacture, and starting from this date, he will keep an example of all the fabrics he will weave. It's not very often that you see such a nice silver brocade. So you see that at the same way, we will use two different silver threads. One is very bright, the other one is quite plain. And so then you have a design which appears differently with the light. And so this was the main design, and this was the border matching with the fabric. It was going like this. You have the border just coming like this on the fabric. So you see that we have the complete fabrics, original fabrics that had been shown to the first emperor in the first years of the 19th century. And here you see the design of this part of the center and the buckets. You can see it here. So you see that this book is very important for us, because you have the explanation and you have really all the details of the design that you see after here in the weaving part. Passementerie, elaborate trimmings, edgings, tassels, and fringes are an indispensable part of French interior decoration. From as early as 1753, the family name of Vecchier can be found in the regulations of the passementerie masters.
Since 1901, the Vecchier workshop has been located in the 20th district of Paris. In 1968, it was bought from the founding family. Nous existons depuis 1753. On a trouvé une trace de l'activité de verrier dans la passementerie dans le règlement des maîtres passementiers parisiens, donc en 1753. On a donc 265 ans d'histoire. On est le seul atelier de fabrication de passementerie de Paris et on continue à fabriquer nos passementeries de façon traditionnelle. It takes special skills to make elaborate fringing the old-fashioned way. Before weaving the elaborate trimmings, workers need to punch out cards for the jacquard looms in accordance with required patterns. The large variety of cards show the diversity of production here. In the weaving room, the trimmings are made on jacquard looms, which are controlled by these perforated cards. With great finesse, craftsmen twist the threads by hand and wrap them around a wooden frame. The embellishment of braids is done on a hand loom, making use of gold or silver threads. Specialized craftsmen deftly make refined accessories down to the last subtle detail. Ça fait 20 ans que je travaille à l'atelier, en démarrant tout en bas de l'échelle, en étant aide établisseuse et en gravissant et en acquérant de l'expérience au fil des années, voilà. Donc tout ce que je sais faire en passementerie, je l'ai appris en interne à l'atelier. J'ai été formée par les anciens qui étaient là à l'époque. By examining the elaborate trimmings of different eras, we can almost touch the past and its aesthetics. Time-honored expertise is thriving in the weaving of exact replicas of historical trimmings. It is not only about regaining the glory of yesteryear, but also about defending traditional workshops against contemporary challenges. Nous sommes héritiers de 265 ans d'histoire et notre responsabilité, c'est d'amener verrier jusque dans 265 ans au moins. Pour ce faire, on doit bien entendu capitaliser sur ce que l'on sait faire et on a un très très beau savoir-faire à l'intérieur de l'atelier. Mais on doit aussi être capable d'amener ce savoir-faire sur des propositions qui sont peut-être différentes de celles que l'on faisait par le passé. Il faut qu'on sache faire à la fois ce que l'on sait faire sur des modèles historiques et aussi sur des propositions qui sont plus modernes, pour contribuer à préserver ce savoir-faire et l'amener encore très très loin dans le futur. C'est ça notre ambition. If fabric is like a story, then silk threads are the timelines that link all the plots. Soft, smooth, and lustrous, quality thread is a guarantee of unlimited variations and possibilities.
In Paris, Auvert Assois has specialized in silk yarn since 1820. Its showroom, which was built in the 1930s, is a condensation of its entire history. Le savoir-faire de la maison, c'est un savoir-faire de 5 générations. Nous allons fêter nos 200 ans l'année prochaine, c'est une date importante pour nous. Mais nous, ce que nous faisons, et là où nous sommes très, très pointus, c'est dans le moulinage, c'est-à-dire la façon de fabriquer les fils. Nous les faisons comme, voilà 200 ans, nous n'avons rien changé. Throughout its 200-year history, the company has persevered through the tenacity and sheer grit of its founding family. Notre entreprise existe depuis 1820 et nous sommes la 5e génération avec mon frère à gérer l'entreprise. Après, nous nous sommes développés dans les années 60 et 70. Nous sommes toujours restés dans la soie. Notre vrai métier, notre cœur de métier, c'est la soie. Et nous sommes toujours restés dedans. Nous ne sommes jamais allés vers le polyester ou les matières synthétiques. Et c'est ce qui fait la force de notre entreprise. Nous travaillons bien sûr avec les grandes maisons de haute couture comme Dior, Chanel, la maison Le Sage, également avec l'école Le Sage qui transmet la tradition de la broderie. Nous travaillons avec d'autres grands du luxe qui utilisent nos fils et qui utilisent surtout notre savoir-faire en ce qui concerne le fil en lui-même et les couleurs, car nous proposons en tout à peu près 1000 couleurs, ce qui est énorme et ce qui est difficile à gérer au point de vue du stock, mais qui permet aux entreprises et aux créateurs de venir chercher ici surtout la couleur. Ce qui est toujours important pour nous, c'est de faire comprendre aux gens que la soie, ce n'est pas plus compliqué qu'une autre matière à utiliser. Et donc en ce moment, nous travaillons beaucoup sur justement le DIY, sur le fait que les gens peuvent l'utiliser au quotidien, ce qui s'appelle le bar à broder, où les gens viennent et peuvent utiliser n'importe quel fil pour justement exprimer leurs envies, etc. Et gratuitement, nous leur faisons essayer tous les fils sur ces barres à broder. C'est pour nous très important de montrer aux gens que la soie, c'est utilisable par tout le monde. The successors of Auvert Assois devote themselves body and soul to the promotion of silk. Their age-old skills breathe life into the material, making it durable and ready to be passed down through generations. Le problème de ce type des entreprises comme la nôtre, c'est d'avoir un savoir-faire très fort qu'il a été très difficile de passer à un moment donné dans les années 90 ou dans ces années-là, beaucoup d'entreprises traditionnelles disparaissaient. La stratégie de l'entreprise a été de continuer à fabriquer toujours plus des fils de très haute qualité, avec des teintures et une grande gamme de couleurs, de telle manière que les clients puissent mieux comprendre le produit, puisque la soie avait tendance à disparaître, et donc il fallait remontrer aux gens à utiliser les fils de soie, notamment les fils de soie à broder, c'est-à-dire que l'entreprise, nous, est restée spécialisée sur une niche de marché. Woven silk is an object of art, craftsmanship, and heritage.
It has adorned the abodes of all strata of society, from castles to everyday houses. Silk weaving in France shows the vitality of traditional expertise as well as the true meaning of dedication. With the EPV label, craftsmen continue to protect and enrich the heritage and excellence of France.